Le collectif des femmes de la marine marchande n'est pas resté en marge de la célébration du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Après avoir pris part, comme toutes les autres femmes, à la conférence débat organisée pour l'occasion par la direction départementale de la promotion et de l'intégration de la femme au développement à Tchambanzassi, ce collectif s'est dirigé à Pointe-Noire pour festoyer ensemble. Lieu choisi, l'hôtel Oaken Palace. Habillées toutes de la même façon, c'est-à-dire en pagne estampillée 8 mars, elles se sont faites belles pour ce jour où elles n'ont pas oublié de retenir l'important. En ce qui concerne le thème de ce matin, droits et devoirs de la femme, ça nous a beaucoup plu. Nous, on était ignorantes, on a compris quels sont nos droits et nos devoirs. On a parlé plus des femmes veuves qui ne connaissent pas comment faire quand ils sont veuves. Donc aujourd'hui là, on a compris qu'est-ce qu'il faut faire. Parler aussi des antivaleurs, ce thème aussi nous a beaucoup interpellés. Je pense que même le préfet a parlé des femmes qui exposent leurs fesses pendant les enterrements. Ça vraiment aussi, c'est quelque chose que nous devons faire changer. Parce que ça, c'est changer les mentalités. Hier, la femme ne pouvait pas rester nue devant tout le monde. Aujourd'hui, on voit des gens nus, on voit des femmes faire pipi devant tous les hommes. Vraiment, ça nous dérange. Après le discours de bienvenue par Béatrice Massingo, vice-présidente du collectif, et de bonne fête du directeur administratif des finances et des gens de mer, représentant la directrice générale par intérim. Nous voudrions donc vous demander de toujours travailler et travailler dur pour que vos droits soient reconnus. Pour cette occasion, je vous demande donc de faire toujours cet effort pour que votre place soit donc méritée au niveau de la Direction Générale de la Marine Marchande. Sur ce, donc, au nom de Madame la Direction Générale de la Marine Marchande, je vous souhaite une nouvelle fois, bonne fête et bon appétit à tous et que la fête commence. Le quitus a été donné à ces dernières de partager un pot ainsi que des mets en leur honneur. Il n'y a pas vraiment de fête sans musique ni danse au Congo-Brazzaville. D'où cette liesse populaire.